Bonjour à tous, quel est le message que tu veux entendre aujourd'hui? Quel est ce petit mot, cette petite phrase qui vibre avec toi? Allez, on te parle de ton foyer, de ton environnement personnel, familial, qui touche, tu vois, au domicile. On voit cette maison qui est là, une grande maison, certes. Si vous avez une maison comme ça, je vous souhaite. Ce qu'on te dit, c'est qu'il va y avoir notamment de la communication qui doit arriver au sein de ton foyer. On te parle d'une nouvelle, notamment en lien avec un contrat. J'ai la grosse mémère qui vient faire dire bonjour. Oui, Massacu, tu t'es levé, ça y est, pardon. Et ce qu'on te dit, c'est qu'il va y avoir notamment les nouvelles en lien avec un contrat. Alors, ce contrat peut, par exemple, concerner ton bien immobilier. Si tu souhaites aujourd'hui un changement de domicile, un déménagement, ça peut être aussi un contrat professionnel. En tout cas, on te parle en ce qui te concerne dans tes projets tu peux y aller en toute confiance. On te parle de liens sincères, donc d'une très bonne nouvelle, gage de succès et de réussite. Alors pour toi qui vois cette vidéo et qui aujourd'hui attend des nouvelles, quelle que soit ta situation ou ce que tu as mis en place, on te parle que toutes tes démarches sont couronnées de succès et que les énergies aujourd'hui sont en ta faveur. Donc, c'est le moment d'agir si tu es encore sous le coup du doute, de l'inquiétude. Alors, qu'est-ce qu'on te dit? Alors, effectivement, là, pour le coup, on voit que la situation se précise un petit peu. Ce changement que tu opères dans ta vie est peut-être, alors attention, c'est pas obligé que ça concerne tout le monde. Écoutez bien ce qui vibre avec vous à l'intérieur, hein, pas dans votre tête. En fait, cette situation qui est en train d'évoluer montre aussi que ce changement vient peut-être d'une mauvaise nouvelle en lien avec quelqu'un qui était proche de toi. Ça peut être ton compagnon ou ta compagne ou ton futur ex-compagnon, parce que on te dit que tu vas avoir des nouvelles en plus. Alors, voilà, cette nouvelle qui arrive, mais là on te parle qu'il va y avoir, tu vas apprendre quelque chose de caché et que cette personne avec qui tu partages ta vie a fait une rencontre qu'il t'a dissimulée et cette rencontre va mettre en danger ta relation, ton couple. Et ce qu'on voit, c'est que jusqu'à présent, tu étais peut-être cette personne qui s'était impliquée dans sa vie de famille, dans sa vie familiale. J'ai l'image un petit peu de la famille parfaite, couple épanoui, etc. Peut-être un peu moins par l'habitude de prise, entre guillemets, de risque entre vous, avec ton compagnon, ta compagne, et que bah, petit à petit, la relation s'est un petit peu placée dans la routine. Et en fait, aujourd'hui, on te dit de faire attention parce qu'une personne, notamment en lien avec ton couple, et en fait, c'est ce qui fait que depuis ces derniers temps, ton conjoint ou ta compagne a pris beaucoup de distance avec toi, communique beaucoup moins, s'isole un peu plus, peut-être rentre un petit peu plus tard du travail. Et on te dit de faire attention parce que tu n'as peut-être pas vu ces signes-là et que là, il y a un réel danger sur ta relation. Si tu as eu connaissance de cette situation ou s'il a voulu mettre fin à la relation et qu'aujourd'hui tu es dans cette recherche de maison, cette recherche d'un nouveau job, etc., clairement ça peut être lié à ça. Mais en fait, on voit que de toute façon, la personne qui partage ta vie, elle est clairement aujourd'hui autoritaire. Il voit dans cette rencontre une opportunité de changement qui valide un petit peu ses propres intérêts loin de toi. Et toi, aujourd'hui, tu dois penser à toi. Tu dois plus être dans le sacrifice. Alors attention, il y a de la bonne nouvelle, mais il y a de la moins bonne. Alors en fonction de ta situation, bien sûr, adapte. Sache que ce que tu entreprends pour toi à titre personnel est gage de réussite. Par contre, il y a bien quelque chose de caché derrière cette situation inconfortable.